put your little hand in mine. Face shit now. Stop the shit. Technicien de maintenance Roswell, vous cumulez 427 heures de retard. Pensez à les rattraper. Ouais, on lui dira. L'agence de surveillance des planètes primitives vous souhaite une journée productive. Technicien Well, dans mon bureau, tout de suite. Ah oui, c'est vrai, c'est lundi. Vous pouvez m'expliquer ce foutoir, monsieur Well? Si c'est pour mon retard, j'étais en panne de... J'en ai rien à carrer de votre énième retard. Je vous parle de ça. Pour ma défense, il n'était pas censé rentrer aussi tôt de mission. Vous vous rendez compte que vous avez un des héros de la congrégation à vos trousses maintenant? Un ami de longue date, qui plus est. À vrai dire, c'est plutôt sa femme que je connais. Fanfaronnez pas trop, Well. Il va vous traquer dans toute la congrégation. Il n'y aura plus une planète où vous pourrez trouver un job sans qu'il ne vous en fasse virer sur le champ. Je suis d'ailleurs étonné qu'il ne m'ait pas déjà appelé. Commandant N, un appel du commandant Ptilien pour vous. Là. Vous voyez, dites-lui que je suis en rendez-vous. Je l'appelle juste après. Vous n'avez qu'à m'envoyer sur une planète qui ne soit pas régie par le Congrès, où il n'y aura pas trop de boulot. Je vous rappelle que vous êtes technicien de maintenance des drones de ménage, avec un succès très relatif qui plus est. J'essaye de les rendre plus performants, c'est tout. Peu importe, seuls les agents sont envoyés en mission hors des planètes du Congrès. Vous n'avez qu'à me promouvoir agent. Et pourquoi je vous ferais cette fleur au juste? Je suis pas sûr que votre femme serait d'accord de me laisser dans cette situation. Qu'est-ce que ma femme a à voir là-dedans? Bah, c'est ma sœur quand même. Ah oui, c'est vrai. J'arrive jamais à m'en rappeler. C'est pour ça que je vous autorise à ne pas m'appeler commandant. Ça me revient maintenant. La Terre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de la Terre? J'ai une tête de jardinier? C'est le nom de cette planète, technicien. Agent Well. On y a repéré des rayonnements gamma d'origine artificielle et un réchauffement anormal de l'atmosphère. L'agence souhaite en connaître la cause. Vous serez secondé par Intelligence numérique de gestion des ressources internes numéro 2. Ross, enchanté. C'est bien, c'est facile à se rappeler comme nom. C'est moi, Will vient de me mettre un vent. Vous ferez connaissance plus tard. Choisissez un vaisseau disponible et faites-nous des rapports sur ce qui provoque ces perturbations. Ross, ce vaisseau est déclaré pièce de collection. Laisse, je suis un expert. À quoi ça sert ce bouton? Non, n'appuyez pas dessus. À ouvrir la porte, apparemment. On n'a qu'à dire ça. Voulez-vous que je prenne les commandes? Non, ça va, je gère. Hey! Oh, chauffard! Thor, lance le Big Bang à ses trousses, tout de suite! Captain, je ne vais quand même pas compromettre le plan de vol de notre prochaine mission pour des comportements puérils. C'est toi, puéril. De toute façon, il est loin maintenant, et il y a peu de chances que vous retombiez dessus. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce machin qui traîne dans le vide-poche? Oups, dangereuse cette lampe torche. Ross, vous venez de faire fondre le système de commande. Putain, envoie un message de détresse à Misanthropia. À quoi bon? Vos chances de survie à un crash sont de 8%. Je sais pas, pour les 8% par exemple. Je visite aujourd'hui une caserne militaire, abandonnée depuis 10 ans. On peut encore voir des couchettes de soldats, ainsi que l'ordinaire. Quelqu'un approche. Bon, tu peux expliquer pourquoi on le planque ici, le mec? Bah, j'imagine que le général trouvait ça plus adéquat que de l'emmener au PMU du coin. Non mais, ça d'accord, mais c'était pas plus simple de l'amener directement au QG plutôt que dans cette caserne abandonnée? Du coup, toi, c'est le deuxième mot dans mission secrète que t'arrives pas à comprendre, c'est ça? Le QG, il est en pleine ville avec 400 personnes qui taffent dedans, dont des civils. Alors, autant appeler directement BFM si tu veux, hein. Non mais ok, bon, on récupère le corps et on le garde ici jusqu'à ce qu'ils viennent le récupérer. Mais, pour le vaisseau au milieu du champ, par contre, on fait quoi, je veux dire, c'est pas exactement le genre de truc qui passe inaperçu. Il est en miettes, ils balanceront que c'est un ballon météo, ça marche à tous les coups, ce truc-là. Tiens, bah voilà, cette cellule-là, elle sera parfaite. Allez, on pose là et on garde la porte.
Ce serait pas plus prudent de rester à côté? Si t'as envie de choper une chiasse alien, oui, c'est sûrement ça qu'il faudrait faire, ouais. Moi ça va, mais toi vas-y, fais-toi plaisir. Un alien? Un vaisseau? Faut que je trouve le moyen d'entrer. Je découvre le corps inanimé de cet extraterrestre. D'après les soldats qui l'ont amené ici, il aurait succombé à un crâne. Y'a pas moyen de pioncer tranquille? Qu'est-ce que c'est? C'est un communicateur. D'ailleurs, ce spécimen vient d'envoyer votre visage sur un certain Twitter. C'est quoi ce machin qui coupe la parole? C'est intelligence numérique de gestion des... Bref, c'est l'IA. PTDR, il a vraiment une sale gueule, ça pue le fake. Sympa l'accueil. Je me connecte à leur réseau pour supprimer toute trace de la vidéo. Vidéo effacée. Non mais, elle me bousille mon téléphone en plus, celle-là. Bon, c'est pas le tout humain, mais faut que je trace. Je dois sortir d'ici si je veux pouvoir me faire repérer par le vaisseau de secours. Mon nom, c'est Zeib, et la porte est gardée par deux hommes armés. Et? Ben, ils ont pas l'intention de te laisser sortir. Tu crois qu'on tombe sur un alien tous les jours? Je vois, je suis un invité de marque. Je leur signerai un autographe avant de partir, promis. Je pense qu'ils voudront plus t'ouvrir le ventre que la porte, Ross. Pourquoi faire? Regarde ce qu'il y a dedans, j'imagine. Spécial comme coutume de bienvenue. Et toi, Zeib, tu fais quoi ici? Je visite des lieux abandonnés. Les humains abandonnent des lieux? Ça vous pose pas problème, ce gâchis? On va dire que c'est nous qui avons inventé le concept de gâchis sur Terre. Mais on a inventé des trucs cools aussi. L'automobile, par exemple. Selon leur internet, ces véhicules fonctionnent principalement par combustion de matières fossiles qui contribuent à leur pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. L'agriculture! C'est bien ça, l'agriculture. Pratiquée de manière intensive, l'agriculture est à l'origine de la déforestation et la destruction de l'habitat de la faune sauvage, entraînant l'extinction massive de certaines espèces terriennes. Oh, elle me gave la petite voix! Et l'électricité alors, t'en dis quoi? L'électricité est produite par fission nucléaire, et ponctuellement via des productions d'énergie renouvelable. Ha! Et fais-moi la manine, la petite voix! La fission nucléaire est aussi utilisée comme procédé d'extermination par leurs armes atomiques. Elle fut utilisée à deux reprises sur des sites urbains habités, ainsi que lors de tests plein air en mer et sur la terre ferme. Ce qui explique que l'on ait détecté ces rayonnements gamma. Bon, faut que je me casse d'ici avant que cette planète ne parte en confetti. Tu es rentré comment ici, toi? Par là. Je t'accompagne vers la sortie. C'est un vrai labyrinthe. On est bientôt arrivé? Je crois que c'est par là. Et là, on est bientôt arrivé? Attends, je me repère. Et là, on est bientôt arrivé? Je sais pas. Et là, on est bientôt arrivé? Mais ta gueule! L'alien s'est échappé! Tirez! On est dans la mouise! T'as pas un laser ou une arme d'alien pour s'en débarrasser? Je suis un visiteur, moi, pas un colonisateur. Mis à part cette lampe torche trouvée dans mon vaisseau, j'ai que dalle. Connexion à Internet. Je vous envoie le savoir des arts martiaux de cette planète. Hein? Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Non. Quoi? Mais ils vont nous buter! Ça implique de les toucher. Burk, avec leur nez et leurs oreilles là, c'est dégueu. Hey, je suis humaine aussi, je te signale. Bon, il faut tout faire soi-même ici. Prise de contrôle du système neuromoteur. Quoi? Le système de qui? Les armes terriennes ont une faible autonomie. Attente de recharge. Ah, c'est maintenant. C'est pas notre alien, ça? Si. Il a l'air très en forme pour un mort. Tu m'étonnes qu'il est en forme, il défonce tout un régiment en mode Jean-Claude Van Damme, le truc. Moi, j'aurais plutôt dit Steven Seagal. Bah, allez, t'as raison, on s'en fout. C'est genre qu'on a rien vu et on retourne garder la porte. Oui, c'est important de respecter les ordres quand même. Oui, comme ça, nous, de toute façon, les ordres, c'est carré. Ah, non, mais avec nous, c'est. Y'a pas de. C'est pas pour rien qu'on est gradé, hein, c'est. Y'a pas un poil qui dépasse du. Non, non. Ah, non, non, c'est clair. Même la tenue, ça, enfin, ça sent quoi, enfin, même la prestance avec la carrure, tout, c'est carré quoi. J'allais y venir à la tenue, mais c'est vrai, oui. Oui. Oh, il est un peu trop gros pour moi celui-là. Hé, hey, ça picote vachement leur truc là. C'est pas une lampe torche! En effet, c'est un ouvre-boîte. J'imagine que les humains vont pas avoir bonne réputation là-haut avec ce que tu viens de vivre. C'est sûr que je vais pas mettre 5 étoiles sur TripAdvisor. La vache, c'est eux qui font ce truc délicieux. Mais je vais tenter de vous sauver la mise quand même. Super, c'est parce que j'ai été sympa avec toi. Bah ouais, quoi d'autre? Alors, c'est grâce à moi si le monde est sauvé? Ah,
Au moins, il me reste tout ce que j'ai enregistré sur ma caméra. Fais chier ! Agent Well, j'ai vu votre rapport. Vous vous êtes pas foulé. 10 minutes seulement. Eh, mais j'y ai passé plus de 300 heures. Ouais, j'ai lu que vous préconisiez de garder la Terre sous surveillance. Je ne comprends pas. Ils ont voulu vous tuer quand même. Ben, j'y ai rencontré un spécimen sympa, alors. Une certaine Zabe, en effet. Travaille-t-elle pour leur gouvernement? Non, elle tient une chaîne YouTube d'exploration. Elle est inoffensive. Je vous ai mis sa chaîne en description. J'ai vu, je regarderai. Vous m'y avez mis aussi d'autres chaînes. Le frigo malfaisant. Le duo malséant. Une excellente chaîne de séries sonores terriennes. Pourquoi? Ben, pour que vous découvriez un peu leur culture. C'est pour la même raison que vous m'avez mis la chaîne Yaya aussi, avec le mot « ça fait chier ». C'est le nom de leur chanson, le prenez pas mal. À propos de le prendre mal, j'ai un certain Captain Max qui m'a averti de votre comportement au volant d'un vaisseau, accompagné d'une amende pour conduite dangereuse. Captain Mask? Connais pas. Je vous ai mis sa chaîne en description, je vous envoie aussi l'amende. Sinon, vous allez me dire la vraie raison pour laquelle vous voulez rester près de la Terre. Faut bien que quelqu'un le fasse, non? C'était quoi ce bruit? Fin transmission.